Donc ensuite, où j'en étais, moi, cet engin-là. Ça, on verra après. C'est pas ma journée, moi, je vous le dis. Ah, il suffisait de faire ça, fallait me le dire. Non, je rigole. Ça, c'est de la fonte, il me semble. Regardez, les amis. Ça, il me semble que c'est de la... ça a l'air d'être de la fonte. On regardera après. Ça se casse tout seul, la fonte. Les amis, cette vidéo est une blague. Sérieux là, je me suis foutu une patate tout seul. Bon allez. Bon ça, ça s'enlève finalement cette saloperie là. Oh, c'est quoi ces trucs de merde là? Bon voilà. Eh sérieux, c'est quoi cette journée de merde là? J'ai eu pété le cliquet moi. Ah, c'est dingue ça. Bon ben voilà. Oh là 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 là. De toute façon, c'est pas grave, si vous vous rappelez dans une vidéo, on en avait récupéré une petite valisette à cliquer il y a quelques vidéos. Donc ben, c'est tout, c'est comme ça. Ça, c'est les valises pas chères que j'ai achetées, là. Mais je m'étais acheté ça juste pour dépannage, que je garde dans la camionnette. Vaut rien, dit. J'ai dû péter un quart de la boîte. Ah, on va dire, des fois, je suis pas non plus un tendre avec les outils. Comment que je vais ouvrir ça? Ça me casse les bons. Je pense à la disqueuse là dedans, moi ça va être vite fait. Sors ça. Comment ça va, c'est pas comme lui. Hop, on fait la place.
Allez. Hop, carter à lui. Voilà. La carter à lui. Bon, ça, je vous montrerai après. Bon les amis, j'arrive en fin de patience. Donc quand j'ai plus de patience, hein. Ah, plus vite. Bonjour Stéphanie. Plus vite. Voilà. Voilà les amis. De toute façon c'est pour les métaux donc. Autant aller à la manière plus vite. Je suis en train de serrer moi. Arrive au bout. Bon, s'il reste 2-3 morceaux de fonte d'alu dessus, tant pis. Parfois, il faut savoir calculer son temps, les amis. Après, je sais pas ce que je voulais le démonter un peu plus près, à peu près proprement, voire un peu, mais. Vous voyez, ça. Hop. Bon, on aura. Comment ? On a de la fonte d'alu, des métaux. La grosse ferraille, vous voyez, tout ça, c'est de la belle, ça. Ça, c'est de la belle ferraille, ça se paye plus cher que le. Comment ? Que le platin et tout ça. Vous voyez, ça, c'est de la fonte d'alu aussi, vous voyez.
Ouais, c'est dur. Donc voilà les amis, donc, tout ça, c'est du carter alu, tout ça dans le bac. Hop. Hop. Mettre un coup de bolette tout à l'heure. Paf. Ça, carter alu aussi. Ça, grosse ferraille. Et ça, les amis, à mon avis, c'est de la fonte. On va regarder, je vais mettre un coup de masse dessus, ça se voit direct, la fonte. Bah, la fonte, en fait, ça fait le même aspect que le... Ouais, quand je dis fonte d'alu, c'est le carter alu, les amis. Ça fait le même aspect que le carter alu, en fait. Ça s'ébrèche à peu près pareil. Et la fonte, ça vaut un peu plus cher que la ferraille, si vous voulez. Enfin, ça vaut même bien plus cher que la ferraille. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir, attendez. Et du coup, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, ça fait pareil que la que le carter alu. Sauf que bah, c'est de la fonte. Et du coup, la fonte vaut beaucoup plus cher que le platin. Vaut même un peu plus cher pas. Moi où je la vends que la grosse ferraille. Et du coup, bah, on va le mettre avec la fonte. J'ai un petit tas de fonte là-bas. Ça, la fonte, les amis, ça va vite à faire du poids. Même si. Oh, la dernière fois que j'en ai amené, je crois qu'on est autour des 250-280 euros la tonne. La dernière fois que j'en ai amené, c'était il y a un bout de temps, vu que pendant un moment je faisais plus le tri, les amis. On va dire que je m'étais un peu débarrassé de tout ce que j'avais sans trop faire le tri. Mais il me semble que la dernière fois on était autour des 250-280 euros la tonne pour la fonte. Donc bah, ça fait ça fait ouais 60. Entre 60 et 80 euros de plus que de la tonne, que de la ferraille normale, vous voyez. Que la petite ferraille platin, quoi. Donc, bah, c'est toujours bon, quoi. Si vous voulez trier vraiment à fond, ben bah, voilà, quoi. Donc, voilà, les amis. Bon, ce qui reste du moteur, en fait. Bah, les boulons, comme je vous ai déjà dit, je les garde. Voilà, je fais des... Comment ? Ça se vend en kilos sur eBay. Donc, dès qu'on aura, que j'aurai un kilo, et ben... De toute façon, bah, je les ai avec tout ce que j'ai débarrassé. Je vais bientôt... tester ça, mais chaque chose en son temps, hein, les amis. Et du coup, ben voilà, ça, je ferai un petit lot avec la marque de la machine sur eBay. Voilà, je dis, même si ça part pour 10 balles, ça sera toujours plus que la ferraille. Donc là, je vais aller faire ma petite visite de la maison et puis après, on s'attaquera au reste de la tondeuse. Parce que, comment, il y a pas mal de encore de carter à lui dessus. Et puis voilà quoi. Allez, tantôt, mes petits niglous. Oui, et à cause de toi, j'ai cassé le moteur. Parce que tu m'as porté la poisse sûrement. T'as acheté un sort ou je sais pas. Rigole pas, aujourd'hui j'ai cassé une petite claquiquette. Je me suis cassé la tête avec ce moteur-là, alors que d'habitude il aurait déjà pris des coups de masse dès le début pour juste récupérer les métaux. Je veux dire, s'il avait pas été sauvable quoi. On va sauver des pièces. Ah, j'ai sauvé, ouais, du coup je vais faire un lot avec ce qui reste. Et moi, c'est vrai que c'est comment ? C'est comme je leur disais. C'est la récup, c'est un peu chacun son truc, tu vois. Moi, j'y connais en mécanique. Donc, c'est vrai que c'est un frein, parce que y aurait celui qui s'y connaît un peu en mécanique, qui connaît bien comment les pièces et tout ça, bah, il peut faire plus d'argent, tu vois.
Oui et non. Enfin, je sais pas, en fait. En fait, ça dépend de chacun. Vu que tu regardes moins, quand tu... Comment ? Quand tu fais que les métaux, on va dire, et que tu prends que le principal que ce que tu connais sur une, on va dire, sur une machine comme ça, mais que tu... Bah, que tu vas comme un barbare pour récupérer les métaux, bah, tu vas plus vite, en fait. Hein ? Comme t'as fait ? Bah, moi, je suis un bourrin, je le vois. Moi. Vous voyez ? J'ai pas trié ça. Il va bien faire ses chefs en plus. Pareil. Oh, je t'ai pas signé de contrat ni rien. Bah si, je suis un peu. En fait, en gros, je travaille un peu pour toi là. Parce que les pièces détachées, moi je gagne que dalle là-dessus. C'est toi qui les vends. Et puis en plus, tu sais ce que je suis en train de faire là, de causer. Je suis en train de. Je suis en train de resserrer le boulon que je desserre depuis tout à l'heure. Ah, je te dis, allez, va-t'en quoi, parce que... Et c'est vrai en plus. Putain, quel con, je chie déjà depuis tout à l'heure pour... Ouais, eh, c'est une catastrophe. Et aujourd'hui, ouais, c'est la cata. Ouh, y a plus de batterie. Tu te donnes une batterie, s'il te plaît. Je vais me déconcentrer, elle me fait encore perdre plus de temps, les amis. Non, des jeux. Donc voilà, oui, comme je disais, mais j'avais plus de batterie. Tout ça, les démontages, les tri des métaux, les pièces et tout ça. Je vous l'ai assez répété, mais je pense que je me répète assez souvent, ouais, je sais, des fois. Mais c'est parce que des fois, on me repose des questions. Vous voyez, il y a des nouveaux abonnés qui arrivent entre temps, qui eux n'ont pas forcément vu les anciennes vidéos. Et du coup, bah, c'est des petits rappels que je fais de temps en temps. Et en gros, le tri, démonter des choses pour vendre les métaux, les pièces détachées, tout ça. Comme je le dis beaucoup dans de vidéos, ça dépend des connaissances de chacun. Vous voyez, moi, je me casse pas la tête avec les moteurs, avec tout ce qui est mécanique, parce que j'ai pas, c'est pas mon truc, j'ai pas de connaissances là-dedans. Et du coup, ça serait comment ? Ça serait pas bien d'aller vendre des choses qu'on ne connaît pas. Ça, d'ailleurs, je vous le déconseille, les amis, d'aller vendre des choses sur eBay, que vous savez pas si ça fonctionne, que vous n'avez pas de connaissances en cas de question. Vous voyez, quand j'ai des, comme le moteur de la débroussailleuse, j'ai mis en panne, non bloqué. Voilà, la personne sait qu'elle va acheter un moteur en panne. Et c'est tout, mais je vais pas aller m'amuser à démonter les pièces détachées. En sachant pas ce que je vais vendre, en fait. Avec la tondeuse là, en gros, les pièces que j'ai sauvées, le peu de pièces, je vais faire un lot. Et je vais vendre le lot, en fait. Sans mettre trop de détails, je vais mettre le lot avec la marque de la tondeuse, la référence, vous voyez quoi. Mais je vais pas aller marquer des choses dans le détail ou faire des... Oh, il vient, lui ! Oh, ouais, compris. Enfoiré. Tu vas reprendre un coup de masse sur la gueule, lundi. Paf ! Ah, bref, pour les nouveaux arrivés... Bah, le but de tout ça, bah, c'est de récupérer les métaux, tout ce qu'on peut vendre en pièces détachées sur les boutiques eBay, sur eBay ou sous le bon coin et tout ça. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai dans la description pour ceux qui souhaitent s'ouvrir un compte eBay qu'a jamais fait, envoyé par Mondial Relay et tout ça. Je mettrai le lien dans la description de ces vidéos-là. Mais après, bon. Même pas mes vidéos, hein. Vous tapez sur YouTube comment faire une montée de boutique eBay, enfin comment créer un compte eBay, parce qu'une boutique c'est plus quand vous êtes en pro, entre guillemets, mais vraiment en pro, comme je l'ai déjà dit. eBay, ça, même si vous êtes professionnel comme Steph, vous voyez, ça sert à rien de commencer au début en mettant en compte pro, parce que vous allez payer un abonnement, et vous allez payer des frais, vous allez payer plus de frais, tout ça on va dire. Vaut mieux attendre d'avoir des ventes régulières et puis que ben, votre abonnement et tout ça, ben, que ça, comment que vous vendiez beaucoup plus que ce que ça ne vous coûte, quoi, en gros. Vous avez beaucoup, de toute façon, vous avez même beaucoup de vendeurs sur eBay qui restent en particulier et qui ne sont pas des particuliers, comme je vous ai déjà montré. Donc, comme je vous disais, en plus, les amis, aujourd'hui, moi, c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps.
Parce que d'ailleurs, j'aime bien partager avec vous, j'adore ça. Vous voyez, moi, c'est plus. Voilà, aujourd'hui, c'est mon délire, c'est ça, démonter, puis partager avec vous, faire un peu de la ferraille, faire un. Montrer un peu des petites astuces, partager avec vous, parce que même vous, en retour, ben, vous m'apprenez des choses, comme je l'ai déjà dit, grâce à vos commentaires et tout ça. Mais on va dire, ouais, moi, je. Quand. Maintenant, je me concentre plus sur les vidéos, puis je fais ça tranquillement avec vous, quoi. Ce qui fait que les amis, à un moment, bah, y a certaines choses que je peux plus faire, on va dire, enfin que je peux plus faire, j'ai jamais fait les pièces détachées, tout ça. Mais je veux dire, c'est pour ça que des fois, je vous explique des choses à l'oral que je vais pas forcément faire. Bah, c'est parce que si je commence à tout faire, bah, j'ai plus le temps de faire de vidéos. Et puis moi, mon délire, c'est maintenant, c'est les vidéos, c'est partager ça avec vous, quoi. Ah, j'ai vu une petite ombre là-bas. Oui, puis pour répondre à certains commentaires qui me demandaient quand. Parce que là, qui sont pressés que j'aille vendre tout ça à la ferraille. Ben, attendez un peu. Encore ouais, quelques petites vidéos que je démonte bientôt, que j'ai un bon stock ben, de fonte d'alu et tout ça. Et puis on ira, mais vous inquiétez pas, on ira bientôt. Bientôt, bientôt. Les amis, comme je vous ai déjà dit aussi, début d'année, c'est pas là qu'elles sont les prix sont les meilleurs. Donc ça, là, on est encore au mois de février. Ça sert à rien de se presser, il faut stocker. Puis après, vers le mois d'avril-mai, en général, ça remonte bien. Bon, je vais y arriver, moi. Paf, paf, écrou, machin. Donc, on arrive au bout. Allez, ici. Bon. Où est-ce qu'on a encore de la ferraille là-dessus? Les boulons, oui, bah, c'est pas beaucoup de boulons. Ah. Ah. Hop. Quand je vous dis que je suis un bourrin, il vient tout seul lui. Tac.
Ah ça, fonte d'alu. Avec carter alu, désolé. J'ai toujours tellement l'habitude d'appeler ça de la fonte d'alu. Mais c'est vrai que c'est du carter alu, quoi, en gros. Enfin, c'est la plupart du temps, si vous allez partout, ça s'appelle le carter alu. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça la fonte d'alu, moi, à la base. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est bon, là. Putain. Là, j'ai foutu le carnage. Oh, il y a un colo. Hop, ferraille. Normalement, c'est bon maintenant. Donc ouais les amis, je vous dirai pas le nom, je ne sais pas comment ça s'appelle, bah d'ailleurs si vous savez dites-moi en commentaire, vous savez, on commence à me connaître. Des noms et tout le bazar de tous ces machins-là, je connais pas, vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, bah ça m'apprendra quelque chose, pour celui qui sait. Vous voyez la pièce là, ça c'est du carter alu. Eh ben, le carter alu, en général, ça tourne autour des 1 euro le kilo, vous voyez. Et là, je suis sûr, on est aux alentours des... Ouais, 10 kilos, je dirais. Et du coup, je vais aller chercher la balance, et puis on va peser ça. Hey, manœuvre. Manœuvre. Ça va pas marcher, là, elle a fermé la porte. Du coup, là, on va peser ça. Bah, attendez, je vais vous montrer. Hello. Comment je vais poser ça, moi? J'avais oublié encore une petite pièce en ferraille. Allez, hop. Donc, on a combien? Je sais pas si vous voyez, on est à un peu plus de 8 kilos. Oui, 8 kilos. Donc voilà, vous voyez les amis, rien que la pièce là, elle fait à peu près 8 kilos, donc à 1 euro le kilo plus ou moins. Enfin, où moi je la vends, et ben ça fait déjà 8 euros là-dessus. En temps. En vous filmant, ça m'a pris à peu près une demi-heure pour enlever le reste des bricoles. Ouais, j'ai pas pesé tout ce qui était petites pièces et tout ça, c'est vrai. J'ai pas pensé tout à l'heure, j'ai tout mis dans le tonneau. Ouais, je pense que en tout, en carter alu, je pense sur toute la machine, on est au 10-11 kilos. Donc vous voyez, on est déjà à 10-11 euros de carter alu. Après, c'est vrai que ferraille et tout ça, j'ai pas pesé. Enfin, ça aurait été trop le bazar, faut que je... Comment ? À l'avenir, je vais investir dans une balance un peu plus grosse exprès que je me servirai que pour ça. Parce que là, je prends les... Ben, c'est les balances pour se peser nous. Je pique la balance à gâteau à Steph et tout, là, et pas trop contente. Au pack. Ça va être chiant, ça. Ouais, ben, je vais la... Oh non, ça passe. Impec. J'allais dire, je vais la casser en deux, mais non. Voilà. La disqueuse est mon amie, les amis. Ouais, ça serait juste pour récupérer les métaux, ça vaudrait pas la peine, mais les amis, je vais récupérer les roulettes. Et du coup, les roulettes, je vais les mettre dans l'eau de pièces qui, avec la... qui va aller avec la... Le lot de pièces que je mets pour la tondeuse, en fait.
Mais c'est vrai que ce serait juste pour récupérer le petit peu de carter alu qui reste là. Je sais pas si, comment, si ça vaudrait le coup de disquer, d'user du courant et tout. Après moi les amis, pareil, ben, enfin, après moi je sais pas ce que je suis équipé de ça, mais si vous voulez, j'ai la station EcoFlow moi les amis. J'ai une station d'énergie en fait que j'avais avec la caravane. Et si vous voulez, au maximum, quand je vais chez mes parents, ben, je la mets en charge au solaire. Et puis de temps en temps, je la reprends une fois qu'elle est chargée. Ce qui fait que ben, je recharge aussi beaucoup de choses, moi, sur cette station-là. Ça me permet de... Ben, comment ? Ben, de ne pas bouffer de courant, tout simplement. Puis les disques, en général, je les récupère à la ferraille. Donc, ben bon, après, ça, une station d'énergie, c'est un petit investissement, quoi. Moi, c'était parce que nous l'avait acheté, quand on avait équipé la caravane pour avoir un peu d'autonomie solaire, d'autonomie en électricité, on l'avait acheté surtout pour ça. Mais aujourd'hui, ben, je m'en sers pour charger plein de trucs, en fait. Ou même à l'autre maison, j'ai pas l'électricité partout dans la maison. Enfin, si j'ai l'électricité partout, mais on va dire les prix, il y a une prise dans chaque pièce, quoi. Donc plutôt que de prendre une rallonge, des fois je prends la batterie EcoFlow, enfin la station d'énergie, ça m'évite, ça fait de l'électricité gratos, quoi. Puis c'est transportable partout. Même ça, une fois les amis, j'avais fait un débarras d'un hangar complet, mais un hangar au milieu de nulle part, un truc de dingue. Je crois que c'est le plus gros débarras que j'ai fait. Ouais, c'est le plus gros. C'était un truc qui se cassait à moitié la gueule. Il était rempli de bordel. Un vieux hangar à chevaux. Et du coup, il n'y avait pas l'électricité. Ben, elle m'avait bien servi, la station. Parce qu'il y avait des remorques à disquer. Il y avait des vieilles charrettes de tracteurs. Des... Un truc comme ça. Quoi. Bon, il va venir, lui. Il m'énerve, lui. Oh, quel con, je l'ai pas disqué. Toi aussi, tu me casses les bonbons. Tac, 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 tac. C'est grosse ferraille. Donc voilà les amis, on arrive à la fin du démontage. Je vais pas filmer le reste, ça va être trop long, autrement. Et du coup, donc voilà les pièces que moi je vais faire un lot en fait. Bah même les roulettes en fait, j'ai regardé, mes amis, elles sont bien loin quand même. Donc je sais pas, je vais bien voir. Et puis ça, c'est le reste de carter alu.
Donc on va mettre dans le bac. Ça, c'est de la grosse ferraille, donc je vais la mettre dans la ferraille. Un petit saut de grosse ferraille, puis on l'entroue là-bas. Et du coup, je vais peut-être les mettre. De toute façon, je vais mettre ça quoi? Je vais mettre ça une dizaine d'euros, les amis. Ouais, entre 10 et 20 euros, vous voyez. Je pense que même un réservoir et tout ça, c'est le prix à peu près d'un réservoir et tout, vous voyez. J'ai fait... j'avoue, là, dans cette vidéo-là, les amis, j'ai fait un peu n'importe quoi. Bah bon, c'est pas grave. On va tester quand même, vous voyez. Ça permet de... s'il y a des personnes comme moi qui n'ont pas des grosses connaissances en mécanique, qui sont un peu des bourrins et tout ça, de quand même arriver à faire des sous en démontant des trucs. Et puis voilà, quoi. Mais on a une autre... tondeuse. J'essaierai de la démonter plus proprement. Et de démonter le moteur proprement, on va dire. Et puis c'est tout. Et donc, moi je vais m'occuper de mettre ça sur eBay. Vous voyez. Et puis je vous dirai dans les... Le jour où ça se vendra, je vous le dirai dans la vidéo, quoi. Si elle vous a plu, la petite vidéo, on n'oublie pas... Et moi je vous dis à bientôt. Allez, Toronto mes petits niglots.